Je m'appelle Marine Chaud, je suis en deuxième année à Télécom Paris. J'ai fait une première année assez classique en cursus Paris, qui est mélangée avec le cursus Sophia. Et j'ai choisi en deuxième année les filières 3D et système interactif et la filière sciences des données. Ouais. C'est le forum de ma première année, qui était un forum en présentiel, dans lequel, en plus de ça, j'ai rencontré une entreprise qui s'appelle BAM, qui est une entreprise qui me plaît énormément aujourd'hui et dans laquelle j'aimerais pouvoir postuler bientôt pour un stage. Pour moi, c'est les types de rencontres plus personnelles comme le forum ou alors la vie d'entreprise où c'est très facile d'aller échanger avec des gens. On a accès aussi à des alumni de télécom à qui on peut parler, on peut voir leur parcours et un peu s'identifier à eux. Ça m'a quand même beaucoup aidé à savoir où m'orienter. Par exemple, j'ai découvert que j'étais plus l'esprit start-up que l'esprit grande entreprise. J'ai aussi appris dans les conférences, notamment la conférence méthode de recrutement, où on nous a un peu expliqué comment est-ce qu'on pouvait se mettre en avant. Et j'ai aussi découvert, comme j'aime bien la science des données, plein de domaines différents en fait, et me rendre compte que la science des données est vraiment partout. Ne négligez pas les rencontres alumni ou alors les événements type forum ou conférence parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment des choses que ça peut nous apporter. Je sais qu'en première année, certains ne savent même pas ce qu'ils veulent faire comme filière deuxième année, du coup se projeter dans le futur, ça peut être compliqué. Mais c'est pour ça que c'est hyper important de venir à ces événements et à profiter de tout ce que les relations entreprises peuvent nous offrir parce qu'il y a vraiment plein d'opportunités qui peuvent vraiment, vraiment nous aider. Alors pour la recherche de stage, le conseil que je donne, c'est ne pas négliger à multiplier les plateformes de recherche ou même directement envoyer un mail aux partenaires directs de l'école. On s'en rend pas compte, mais avoir un réseau comme ça, comme Télécom A, ça peut apporter beaucoup.